Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte de la démo de Snow Plowing Simulator. Alors, démo qui va faire partie, qui va être dans le cadre du festival Steam des démos là, qui arrive le 6 février, les loulous. Mais le développeur et ou éditeur de plusieurs jeux qui s'appelle FreeMind m'a envoyé des clés de leur démo justement qui allait sortir à partir du 6, donc j'ai le droit de vous les présenter un peu avant. On commence avec ce Snow Plowing Simulator qui est un jeu de simulation de déblayement, de déneigement. Voilà, tout simplement. Donc un jeu qui est prévu pour sortir en 2023, qui est édité par Playway, les fameux Playway, hein, donc développé par FreeMind. Merci à eux hein, pour les trois clés. J'aurai trois jeux de chez eux à vous présenter. Le jeu est en français, comme vous pouvez le voir à l'écran. J'ai pas, bien sûr, pas de prix à vous annoncer pour le moment. Sur cette démo, on ne peut pas rebind les touches, mais je ne doute pas qu'avec Playway, qui est derrière l'édition, on aura cette option. En général, dans tous leurs jeux, il y a cette option. On peut jouer aussi à la manette. C'est bien sûr un jeu solo. Et on est parti, on va faire une nouvelle partie, justement. Pour découvrir ça ensemble. Alors, on se retrouve TP dans notre bureau. Je vous rappelle, c'est qu'une démo. Hein. On prend le truc des fois en cours, des fois au début. Et puis bah voilà quoi. Donc, cliquez sur pour masquer les messages. Ok. Sur la carte, vous pouvez visualiser les tâches à effectuer et faire connaissance avec la zone. Donc j'ai une pastille là. Hub, garage, prologue, gain 0, Main Street, 1245 mètres carrés. Petite pelle. Outil recommandé, dégagement du chemin vers l'entrée du bureau. Ok, je ne sais pas comment on le prend. Alors, on a, en haut à gauche, on a des calories de notre perso et on a la température. Donc, j'ai l'impression qu'on va brûler des calories. Il y a des clés maintenant, vous pouvez conduire la camionnette. Donc, oui, j'ai coupé les musiques parce que les musiques ne m'inspiraient pas. Donc, j'ai coupé toutes les musiques du jeu, hein, ne m'en veuillez pas. Problème de droit, hein, vous connaissez le délire. Ici, les artefacts trouvés pendant le jeu seront organisés en une histoire. Ok. Vous apprendrez toute l'histoire mystérieuse de la ville et de ses environs lorsque vous obtiendrez tous les artefacts pour le plateau. Ok. Ouf, putain, les bruits. Les sons, c'est assez fou. Un café ou un thé chaud vous gardera au chaud. Je n'ai pas de thé, je dois d'abord l'acheter. Je n'ai pas de café, ok. Mais je crois que je n'ai pas d'argent non plus. Alors, petite pelle, 50. Ah, si j'ai de l'argent. Alors, la traduction est un peu bizarre, mais bon, ok. Verrouillé pour la démo. Donc ça, c'est l'équipement qu'on a actuellement. En livraison. Sirop pour la toux. Oh, il va falloir gérer en fait ce genre de choses. Alors, les magasins et les restaurants proposant Power Up sont ouverts à des heures différentes. C'est pourquoi l'assortiment de la boutique en ligne change fréquemment. Ok, les outils achetés seront livrés par courrier. Un café. Ouais, un café ou un thé chaud vous gardera au chaud, ça je suis d'accord. Alors les sons sont pas terribles. Vous avez maintenant une pelle pour vous et vous pouvez la pelleter manuellement. Alors, un, utiliser la pelle. Ça ne marche pas. C'est peut-être pas un, je vois pas bien. M pour la carte. Très bien. De toute façon, c'est ici qu'on doit bosser. Q pour voir ce qu'il faut nettoyer. Ok. Presse. Remettre le travail. Non. E, voir l'inventaire. Ok. Ah. Oh, le délire. Ok, eh ben c'est pas gagné. Alors, les bruitages du jeu sont assez moyens. D'ailleurs, je pense que le son du jeu est
Bah, je pense que non, pour vous, ça ira. Alors oui, j'ai oublié de vous dire qu'on est en YouTube première et que les futures présentations seront en YouTube première parce que j'ai pas de place dans mon planning pour les mettre ailleurs. Bon, j'ai baissé le son de mon casque parce que sinon ça va me détruire les oreilles. Alors, dans la boîte aux lettres, vous pouvez vérifier quelle tâche vous avez et signaler l'exécution de la commande au client. Lorsque vous n'êtes pas habillé correctement, vous commencez à perdre votre température. Et lorsque vous avez une température inférieure à 36 degrés pendant une longue période, le risque de maladie augmente. Eh bien, on fait ce qu'on peut, mon gars. Ok, donc là, je peux pas. Ah, c'est pas parti. Ah, mais il y a en fait, c'est en train de reneiger par-dessus là. Ou c'est moi qui délire. Non, c'est peut-être moi qui délire. Ah, on peut accélérer le mouvement. Ah, c'est quand même mieux comme ça, oui. Ah oui, ça va vachement plus vite. Ok. On n'a pas de barre de progression ou ce genre de choses, comme c'est souvent le cas dans ce genre de jeu. C'est quoi ça? Attendez les loulous. Il y a de l'argent là, il y a 500 là. J'arrive pas à prendre. Alors le perso qui bouge tout seul, je vois pas mon viseur en fait. E pour voir l'inventaire. Hein? Quelqu'un a perdu de l'argent. Ok. Donc c'est clic gauche pour ramasser. Oui, je compléterai les calories, oui. Alors, il fait nuit. Enfin, il commence à faire nuit. À bien faire les bords. Ah, le jour se lève. Je pense que ce sera une petite présentation, les loulous, hein, parce que bon, c'est pas que ce soit. Enfin, je trouve pas ça très intéressant, personnellement. Mais vous savez que j'aimerais que vous présente régulièrement ce genre de jeu, hein, sur la chaîne. Qui, soit dit en passant, est souvent très répétitif. Voilà, ça part même pas, ça. Alors bien sûr, il y aura plein de sortes de moyens différents pour déblayer la neige hein, jusqu'au chasse-neige. Hein. Ça ne pose aucun souci. Ok.
Alors vous travaillez trop longtemps, mal habillé dans le froid, gelé et attrapé un rhume. C'est un rhume. Alors du coup, il nous faut sirop pour la toux. Pardon, tasse. Et il me faut des trucs pour redonner des calories. Alors, on va prendre ça. Alors, les articles achetés, vous les avez trouvés dans le garage. Ouais, alors calme-toi quand tu gigotes comme ça, là, parce que... Alors, où dans le garage? Il me faut mon sirop. Attendez, je ne comprends pas. Ah, je peux pas courir, hein. Mon perso est en train de décéder. Les items achetés sont livrés dans le garage. C'est très perturbant, hein, le fait qu'il tousse en boucle. Je suis désolé, je ne vois pas. Alors, je dois être certainement Miro ou j'ai mal lu. Ah. Voulez-vous prendre? Oui. Alors, est-ce que ça va mieux du coup? Alors, ok. Donc, les médicaments dans l'armoire à pharmacie, c'est logique. Du coup, la bouffe. La bouffe, où est-ce qu'il me livre ça en fait? C'est pas dans le micro-ondes. Ah, il doit y avoir quelque chose avec lequel je puisse interagir. Mais je vois pas. Ça, c'est un truc pour travailler. Ça, c'est un truc de rangement pour les outils. J'arrive pas à me réchauffer, en fait. Qu'est-ce qu'elle doit faire, les loulous? Ben, je sais pas. Je vais racheter. Ça coûtait pas bien cher pour voir, parce que là, j'avoue, je ne comprends pas. On m'a pas livré le plat ici. Très bizarre. Je vais prendre une tasse, seau à poulet. Ah mais mon perso, il est en train de mourir en fait, hein. En plus, il fait nuit maintenant. Mais il me livre ça où? Je comprends pas. C'est pas clair leur truc, hein. Dans le garage, moi je veux bien, mais à un moment donné. Alors j'arrive clairement pas à me réchauffer. Hein. Par contre, j'arrive pas à repasser au-dessus des. Alors est-ce que c'est parce que je manque de calories? Ça, c'est la station météo. Je suis idiot, à mon avis. J'avais presque fini le déneigement, là, enfin, déblayer le chemin. Mais je peux pas continuer, parce que si je retourne dehors, je vais mourir. J'ai quand même commandé deux trucs à manger. Hein. Je ne les vois pas. On n'a pas de lumière, là, c'est pareil, parce que quand même... Si, on a de la lumière, mais ça éclaire pas. Mais écoutez, les loulous, ça me fatigue un peu, en fait. Alors, j'ai peut-être très mal lu hein, ce que je devais faire. On n'a pas le tuto, hein. Bah non.
Retour au jeu. On n'a pas d'inventaire. Je comprends pas. J'ai commandé de la bouffe, mais je ne l'ai pas, quoi. Je regarde les tiroirs. C'est incroyable, ça, quand même. Donc ça, c'est mon équipement actuel, donc je ne peux pas en changer. J'essaye d'acheter plein de trucs, hein, mais pour voir si ça s'empile quelque part ou... Ok, il fait jour, on va y revoir clair. Non mais admettez quand même qu'il y a un problème. Enfin... Je suis pas complètement idiot, je sais que je suis très tête en l'air. Et voilà quoi, mais... J'avais pas regardé là, mais je peux rien prendre. Alors là, j'avoue que ça, on dirait un chauffage, mais il chauffe rien du tout. Non, j'ai plus de problème de tout. Bon, bah, je pense qu'on va aller décéder dehors et recommencer. Mais c'est idiot, quoi, en fait. Enfin, je ne comprends pas. Alors là, j'avoue que peux pas interagir avec les casiers. Donnez-moi ma bouffe. Eh bien, on va s'arrêter là, je pense, hein. Bon, c'est un peu bizarre quand même, hein. Soit je passe complètement à côté, soit c'est pas implanté dans la démo, la livraison de nourriture, mais du coup, on n'avance pas dans la quête, en fait. Armoire, médicaments. Le seul truc qui serait logique pour quand on reçoit la nourriture, ce serait soit le micro-ondes, soit le petit, on dirait un frigo, hein, en dessous. Mais pas du tout. Table Yeti. Ok. Et ils nous disent de commander du café chaud ou du thé chaud, mais il n'y a pas l'option. Ici, c'est clair que ça change tout le temps. Hein. Ah, du thé. Voulez-vous boire du thé? Oui. Ça fait rien du tout. C'est très décevant. J'avoue que... Alors, il y a que deux possibilités, hein. Soit je passe complètement à côté, comme j'aurais pu passer à côté de l'armoire, j'aurais pu passer à côté 50 fois avant de la voir, hein. Mais enfin, quand même, j'ai commandé une assiette, j'ai commandé un bac de poulet là, enfin, comme des nuggets, quoi, on va dire. Ça se verrait quand même, c'est pas dans le fourgon de la camionnette. Mais je peux pas interagir avec la camionnette à ramasser, non. Donc, et on m'a rien livré devant, hein. Rien livré devant. Ici, 97 portions de thé. Bon, bah écoutez les loulous, voilà, c'était une petite présentation plutôt courte. Ça m'embête d'ailleurs de vous sortir 20 minutes de vidéo juste pour... ça, vous voyez ça, je l'avais pas vu par exemple, qu'on pouvait interagir. Mais bon, il se passe rien quand on interagit avec. C'est une jolie référence.
Ça m'embête de vous faire sortir une YouTube première juste pour 20 minutes. Mais enfin, au moins, vous verrez que ça vaut peut-être pas le coup que vous téléchargiez la démo si le jeu aurait pu vous intéresser. Parce que franchement, alors la première mission, elle est pas très passionnante déjà de base. Mais en plus, alors j'ai perdu du temps au début, je dois l'avouer. On va peut-être recommencer en fait. On va recommencer une partie. Allez. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas quoi à un moment donné. Donc on va acheter déjà du thé direct. Donc on achète la pelle. Voilà. On va acheter, oui, du thé. Le thermos pour garder au chaud. Ça. Je teste des trucs, hein. On va prendre le sirop pour la toux, on l'aura déjà. Et ensuite, au niveau bouffe, on va reprendre des trucs et on verra bien. On va reprendre ça. On va prendre le hamburger. Voilà quoi. On va prendre ça. Voilà. Donc là, on a déjà notre sirop. Ça, il n'y a pas de souci. L'appel qui est arrivé. Ok, je prends un café, un thé, et on est parti. Allez. Ah, le thermos, il était là. Comment on se sert du thermos? Aucune idée. On va faire le devant déjà. Ok, ça c'est bon. Mince, fallait pas que je rentre. Allez, c'est parti. Non, parce que c'est quand même bizarre. Ok. Là, on est bon. On va faire les délimitations. Et après, on n'aura plus qu'à faire le milieu. C'est juste le problème des calories, en fait, hein. Voilà, on va se réorienter un peu quand même. Ok. Alors, on commence à descendre assez bas en température. Donc là, on va finir cette rangée. Tiens, on a trouvé de l'argent. Ah bah ça y est, ça commence. À l'intérieur, on peut pas courir, hein. Ok, on va se reprendre un petit café, un petit thé. Bam, bam. Ça, c'est censé me réchauffer quand même. Non, ça a pas l'air, hein. À partir du moment où on est malade, j'ai l'impression que... Est-ce que j'ai autre chose en médoc qui pourrait... Crème pour les mains. Protège des engelures.
Des comprimés contre la fièvre, je peux toujours en prendre. Après tout, hein. On va tout acheter. Je vais aller voir si ça arrive aussi ici. Donc tout ce qui est médoc, ça arrive ici. Il doit y avoir vraiment, mais alors vraiment, un emplacement pour la bouffe, hein. Mais je le comprends pas. Je ne le vois pas. Je suis aveugle, peut-être. Mais il n'y a rien qui ressemble à de la bouffe, quoi. Enfin, à un moment donné. Allô, le jeu vidéo? C'est pas possible, c'est ailleurs, quoi. Il y a une interaction que j'ai pas trouvée, quoi. Les cartons, je peux pas. Donc là, il fait nuit. Parce que vous voyez que j'ai déjà perdu la moitié de ma. Alors, je sais pas si c'est lié, hein, mais j'ai perdu la moitié de ma. De mes calories. Et surtout, du coup, ma température ne remonte pas. Donc je ne sais pas. Va essayer de finir. Alors j'ai ma température qui remonte là. Bizarrement. Oh, on n'a pas de gants, on travaille sans gants. Je trouve qu'aussi, là où on voit l'appel se poser, ça marche pas forcément très bien. En tout cas, là, on voit le carré bleuté de là où on est censé pelleter. Voilà, le problème, bah, c'est que j'ai plus d'énergie, regardez, j'ai plus de calories. Alors si ça tombe, vous êtes en train de vous foutre de moi parce que tout le monde a vu où la bouffe était et puis il n'y a que moi qui ne l'ai pas vue. Mais j'avoue quand même que j'ai beau faire des efforts, voilà quoi, à un moment donné quoi. Alors on a presque fini, hein. Enfin il manquera pas grand-chose. Ça va être peut-être du peaufinage à la fin. Bon, c'est pas validé à première vue, hein. Faudrait que je repasse ici peut-être. Ah mais là j'avance comme une tortue quoi. Incroyable ça. Bon, j'avance quand même, mais voilà quoi. Alors, à moins qu'on ait un inventaire, attendez. Ah, mais oui, j'ai un inventaire. J'ai un inventaire en fait. Je suis un idiot. Oui, vous pouvez le dire, oui. Donc, inventaire que j'avais déjà ouvert. Hein. Donc là, c'est quoi le souci? Parce que mon perso, il va encore assez mal. C'est la température, je pense. Ça vient de me tilter, hein, le coup de l'inventaire. Donc vous avez dû bien vous foutre de ma gueule. Soyons clairs. À ce sujet. Ah, je peux pas. Je peux pas déblayer mieux de ce côté-là. Juste que j'arrive à faire comme ça. Ok. Il me resterait quoi là? Il me resterait ça là? Mais les calories à la vitesse où elles descendent. Mon perso, il est en souffrance. Hein.
Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on valide la quête. Je ne sais pas s'il faut vraiment avoir enlevé 100% de la neige. Parce que là, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Bon, pour moi, il y a encore pas mal de choses à développer hein, qui ne vont pas. Tout cas, je trouve. Ça, c'est mon thermos. Ça sert à quoi, en fait? Ça sert à rien, quoi. Vais racheter à manger. Ok. J'arrive juste clairement pas à me réchauffer en fait. Hein. Je repasse pas au-dessus des 41. Je sais pas trop pourquoi. Hein. Bon, en tout cas, les loulous, je vais attendre vos retours hein, dans les commentaires. Et puis, j'aurai vu les premiers retours aussi dans le chat hein, de la première. Moi, je vous cache pas que je suis plutôt déçu. Hein. En général, ce genre de jeu se veut assez répétitif. Hein. Je vous en ai présenté quand même beaucoup sur la chaîne. Bon, celui-là semble pas échapper vraiment à la règle. Mais c'est pas le meilleur que je vous ai présenté, hein, clairement. Et puis bah surtout, je vois pas ce que je dois déblayer d'autre là. Hein. C'est déblayé le chemin, mon gars. Hein. Non? Ça te convient pas là? Ça a pas l'air. Hein. Ah, je peux pas, hein. Bah écoutez, ça valide même pas la mission. Donc l'un dans l'autre, j'aurais tendance à dire, voilà quoi. On a récupéré l'argent. Mais la mission se valide pas. Hein. Ah si, ça y est. Ah mais on n'est pas averti en fait. Donc là, j'ai une nouvelle mission. Dégageons du chemin. Bah c'est ce que... Non, c'est celle que j'ai fait. Bah écoutez, on va se laisser là-dessus les loulous, voilà, je sais pas quoi dire, franchement je suis très déçu par cette présentation de jeu. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires sous la vidéo, je compte sur vous. J'espère quand même que la vidéo en elle-même vous aura plu, je vous aurais fait un petit peu rigoler avec mon petit inventaire qui est ici en fait, sur la touche E et pas I ou Tab, bizarrement. Dans tous les cas, je vous laisse là-dessus les loulous, puis bah moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde!